Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on part à la découverte de la prophétie des rois. La prophétie des rois est la première, et sera très certainement l'unique, extension à Twilight Imperium 4ème édition. Et ça a été un petit bouleversement dans le monde ludique des Twilighters, parce que très franchement, je pense que personne ne s'attendait à une extension pour ce jeu, sachant que c'est quand même un gros jeu, c'est la première fois pour sa 4ème édition qui sortait en français, et il était déjà pas mal complet puisqu'il reprenait pas mal d'éléments de la précédente édition, de la 3ème édition, qui elle avait connu beaucoup d'extensions, et on va dire un peu le meilleur de ces extensions avait été inclus dans cette 4ème édition. Bon, et ben c'est une belle surprise parce que cette extension non seulement est sortie, mais en plus elle sort en simultané ou en quasi-simultané en version française, donc intégralement traduite. Et c'est une grosse extension. Donc vous pouvez le voir déjà au niveau de la boîte. C'est une grosse boîte qui a la taille de boîte de jeu standard. Malheureusement, elle en a aussi le prix, puisqu'il vous faudra compter entre 80 et 90 euros environ pour l'acquérir. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous détailler tout le contenu en fait de cette extension, et comme ça vous pourrez voir si vous pensez que cette extension vous est nécessaire ou pas. D'un point de vue basique, on a déjà pas mal d'éléments de jeu standard supplémentaires, c'est-à-dire qu'on a un nouveau paquet de cartes projet. On a un nouveau paquet de. Enfin un nouveau paquet des cartes complémentaires de cartes action. On a de nouveaux objectifs secrets, on a de nouveaux objectifs de niveau 1, de nouveaux objectifs de niveau 2, et chaque faction dispose désormais d'un... C'est les billets à ordre, ces petites cartes qui vous permettent dans les transactions de les échanger avec d'autres joueurs et qui leur concèdent un avantage sur votre faction de jeu. Alors, ces nouvelles cartes font appel aux nouvelles règles de l'extension, mais pas que. Donc vous allez pouvoir en fait les mixer totalement dans votre boîte de jeu. Bien sûr, si vous utilisez le reste des règles de l'extension, mais vous allez voir que à partir du moment où vous avez l'extension, vous allez tout intégrer. Le deuxième point, c'est qu'on a deux nouveaux joueurs qui peuvent se rajouter. Maintenant, vous allez pouvoir jouer jusqu'à 8 personnes. Alors vous allez me dire... 6 personnes, c'était déjà très long. 8 personnes, ça doit être un calvaire. Il faut prévoir le week-end. Non, parce que avec cette extension, les parties sont pas, je dirais, vraiment accélérées. Mais les nouvelles mécaniques et les nouvelles façons d'obtenir des points de victoire, que ce soit par les objectifs ou par l'intervention de toutes ces nouvelles règles, petites mécaniques, petits points qu'on a, va vous permettre de gagner des points de victoire plus rapidement, de remplir des objectifs plus facilement, et donc ça ne rallonge pas vraiment le fait d'être à 8, et même dans des parties à moins de 8 joueurs, eh bien vous allez pouvoir finir vos parties en temps peut-être plus court. Et c'est pour ça que la règle vous propose en fait d'utiliser la longue piste de score, celle qui va jusqu'à 14 points, pour revenir, on va dire, à un niveau normal, enfin standard de durée pour le jeu. Donc c'est une bonne chose, parce que du coup, ben, peut-être que le jeu sera un peu plus facilement sortable si les parties sont accélérées. 8 joueurs, ça veut dire aussi qu'on va avoir un plateau plus grand, puisque on va avoir un cercle en fait complémentaire encore autour de la galaxie, un cercle de tuiles système. Et d'ailleurs, cette nouvelle galaxie avec ce cercle supplémentaire, vous pouvez même l'utiliser à 6. Là, ça risque effectivement de rallonger un petit peu la partie, mais ça vous permettra de vous étendre un petit peu plus. Donc, qui dit extension de territoire dit forcément nouvelle tuile système, et donc on a plusieurs nouveaux types de tuiles système. D'un point de vue standard, on retrouve deux tuiles vierges, on en avait déjà dans la boîte de base. On a tout un tas, et vous voyez, il y en a beaucoup, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nouveaux systèmes qui ne sont pas des mondes de NATO. Donc ça veut dire que ce sont des planètes qui vont être en jeu, et parmi ces tuiles systèmes, la grande majorité comporte 2 à 3 planètes. Donc ce qui va vous permettre, il y a pas mal de systèmes avec 3 planètes, il y en a beaucoup avec 2, et donc ça va permettre
d'acquérir des ressources plus rapidement, en fait. Donc, pour toutes ces tuiles de nouvelles planètes, on a bien évidemment le paquet de cartes qui correspond avec toutes les planètes pour que vous puissiez en prendre possession. Et on a une nouveauté, ce sont les planètes légendaires. Donc, ces planètes légendaires sont marquées avec un nouveau petit logo d'une sorte de demi-lune, en fait. Et ces planètes légendaires vont vous permettre, en fait, d'obtenir, quand vous les contrôlez, d'obtenir des petites capacités supplémentaires aléatoires qui se révèlent assez puissantes. Dans un autre style de tuiles de jeu, nous avons de nouvelles tuiles anomalies avec notamment un trou de ver supplémentaire, une supernova et deux tuiles anomalies sur lesquelles sont présentes également des planètes. Donc ça c'est très intéressant puisque vous savez qu'il y a des technologies qui vous permettent de traverser ou de rester sur des anomalies. Donc ça rend le côté anomalie un peu plus intéressant. Enfin, le dernier type de tuile système que vous allez avoir et qui va vous permettre en fait de rétablir une sorte d'équilibre quand vous jouez soit à 5 joueurs, soit à 7 joueurs, c'est-à-dire en nombre impair, où on se retrouve avec une galaxie où on a une distance en fait entre deux des joueurs qui est plus importante que celle entre les autres joueurs entre eux, du fait de l'absence d'un monde natal entre deux joueurs. Eh bien, nous avons des routes spatiales. Donc ce sont des tuiles avec un trait en fait qui représente les routes. Et en fait, si je mets par exemple cette route spatiale ici avec deux tuiles système, on voit que les traits comme ça permettent de rejoindre les deux tuiles. Et donc toute tuile système qui est reliée par une route spatiale, alors la route spatiale ça peut être un enchaînement, hein. Il y a plusieurs tuiles, on peut avoir une configuration comme ceci, et bien cette tuile on voit qu'il y a une route spatiale hop qui fait ce chemin là, et donc du coup ces deux tuiles systèmes sont considérées comme étant adjacentes en fait. Ce qui, alors ce sont des tuiles, les routes spatiales sont des tuiles que vous allez traverser, mais ce ne sont pas des tuiles sur lesquelles on peut s'arrêter, elles sont un petit peu hors jeu, elles vous permettent juste en fait de faire le trajet et de considérer les tuiles comme étant adjacentes, un petit peu comme le système des trous de ver. Et donc la mise en place pour 5 ou 7 joueurs va vous faire utiliser désormais ces tuiles de route spatiale de façon à permettre une communication plus rapide entre les systèmes. Toujours dans les éléments standards du jeu, nous avons deux nouvelles tuiles diplomatie. En fait, c'est un remplacement des tuiles de la boîte d'origine. Nous avons une modification au niveau de la diplomatie et au niveau de la construction, les tuiles 2 et 4. C'est un petit changement mineur, notamment au niveau de la construction, parce que c'est plus une précision de règles qu'autre chose. En revanche, au niveau de la diplomatie, ça a un impact plus important, puisque avant, la tuile diplomatie, en fait, vous permettait donc de faire placer aux autres joueurs un pion de commandement de leur renfort dans un système que vous désignez autre que Mechatol Rex, ce qui fait que ça activait ce système et ensuite les joueurs ne pouvaient plus l'activer puisqu'ils l'avaient implicitement, indirectement on va dire activé, ça permettait de pacifier et vous pouviez restaurer ensuite les planètes épuisées qui étaient dans ce système, les planètes épuisées que vous contrôliez. Maintenant, avec la nouvelle tuile diplomatie qui vient donc remplacer l'ancienne, vous pouvez donc vous forcer les autres joueurs à mettre un pion de commandement également sur un système pareil, autre que Mechatol Rex, etc., ou qui contient au moins une planète que vous contrôlez, mais vous pouvez ensuite restaurer deux planètes épuisées que vous contrôlez, mais n'importe où. Vous n'êtes plus tenu de restaurer en fait les planètes du système que vous avez pacifié, vous pouvez restaurer deux autres planètes. Donc ça, c'est assez important. Et une petite précision pour la compétence secondaire, qui vous permettait avant de dépenser un pion de votre réserve stratégique pour restaurer jusqu'à deux planètes épuisées, et bien maintenant vous dépensez un pion de votre réserve stratégique pour restaurer jusqu'à deux planètes épuisées, mais que vous contrôlez. Vous ne pouvez pas restaurer une planète que vous ne contrôlez pas. Au niveau de la construction, pas de modification transcendantale, on va dire, puisque c'est juste une précision au niveau de la compétence secondaire. Avant, il y avait marqué « placer un pion de votre réserve stratégique dans n'importe quel système », et maintenant, il est précisé que c'est dépenser
défoncez un pion de votre réserve stratégique et placez-le dans n'importe quel système. Voilà. Toujours encore dans les éléments standards, nous avons l'ajout de nouvelles cartes de technologie. L'ajout de ces nouvelles cartes, en fait, est pour toutes les factions. Alors, ce sont des technologies génériques, c'est-à-dire celles qui sont liées à la couleur de votre faction et non pas à la race que vous avez choisie. 8 nouvelles technologies pour chacune des factions. Alors, maintenant, on va rentrer dans ce que ça apporte en plus que les éléments standards du jeu. Donc, nous avons pour tous les joueurs un nouveau petit plateau de jeu que l'on va placer à gauche de sa fiche de faction, à droite si vous êtes gaucher. Sur ce nouveau plateau de jeu, on va avoir en fait un rappel ici de différents termes. Alors déjà un rappel de la phase projet et ensuite un rappel de tout ce qui est de nouvelles petites règles de l'extension, des nouvelles mentions comme les personnalités, les nouveaux termes comme purger, explorer, attacher et déployer, la définition des pions exploration ainsi que celle de l'œil du trou de ver. Alors, c'est vrai que je n'ai pas parlé de l'œil du trou de ver avant de finir sur ce petit plateau. L'œil du trou de ver est une nouvelle tuile système un peu différente des autres. Elle est en étoile, un peu comme, je crois que c'est la porte des fantômes de Crush, il me semble. C'est une tuile recto-verso. C'est l'œil du trou de ver. Dessus, il y a d'ailleurs une planète et il y a le petit symbole, c'est une planète légendaire, qui contient un trou de ver gamma. Cette tuile d'œil du trou de ver, elle est utilisée dans toutes vos parties, il n'y a pas de souci, elle n'est pas dépendante d'une faction, et vous allez la mettre en jeu à côté du plateau de jeu, et quand un événement de jeu ou bien l'une de vos actions de jeu va vous permettre de vous déplacer en fait sur cet œil du trou de ver, vous allez le retourner et cet œil du trou de ver va devenir en fait une sorte de pont, puisque on voit qu'on y retrouve un lien vers les trous de ver alpha, bêta et gamma. Et donc du coup ça va rendre cette tuile adjacente à tous les trous de ver. Je reviens sur mon petit plateau pour les joueurs. Nous avons donc un rappel de terminologie ici et nous avons à côté 4 emplacements qui sont intitulés agent, commandement, héros et méca. Alors, au niveau des mécas, toutes les factions vont récupérer cette carte qui n'est pas une carte d'amélioration d'unité. Il faut la considérer comme si elle était imprimée sur la fiche de votre faction et qui va vous débloquer en fait une nouvelle unité, donc accessible pour tous les joueurs, quelle que soit la faction choisie, et c'est les mechas. Alors les mechas, ce sont des petits robots, enfin des petits robots, ce sont des... on dirait un petit peu, là, avec leur gros lance-missile sur le côté, on dirait, ça me fait penser un petit peu à... je crois que c'était Robotech, ça s'appelait, ce jeu. Ce sont donc de gros robots, plutôt, avec des lance-missiles. Ça rejoint un peu le côté infanterie terrestre, puisque ce sont des unités que vous allez déployer sur les planètes. Et vous allez placer, en fait, cette carte méca automatiquement, ici, sur votre plateau complémentaire. C'est une nouvelle unité qui est accessible dès le départ, que vous allez pouvoir donc fabriquer grâce à vos docks. Alors, le méca, pour faire simple, il coûte 2 points de ressources et il a une valeur de 6 en combat, ce qui est vraiment pas mauvais. Il a la capacité dégâts encaissés et tous les mécas ont une capacité particulière, en fait, qui là est propre, je crois que ça fait pas le point, comme ça, ça vous spoile pas, une capacité particulière qui est propre à la faction que vous jouez. Donc vous voyez, toutes les cartes méca ont un petit pouvoir particulier. Sur les autres emplacements, donc agent, commandant et héros, vous allez prendre, quand vous choisissez votre faction, les 3 cartes de personnages qui correspondent à votre faction. Donc ils sont identifiés à chaque fois avec son symbole. Il y a donc 3 cartes qui correspondent à l'agent, au commandant et au héros. Et vous avez sur chacune d'elles un petit trait, la deuxième 2 petits traits et 3 petits traits. Donc un petit trait agent, 2 petits traits commandant, 3 petits traits
héros. Alors, la carte agent est placée directement sur votre plateau de jeu en début de partie. Donc, hop, ouais, vous avez la carte méca ici. Vous allez placer votre carte agent également. Ces nouvelles cartes de personnages, vous allez placer votre carte agent sur votre plateau de jeu. Elle est accessible avec son pouvoir dès le début de la partie. Alors que pour ce qui est du commandant et du héros, vous avez une mention déverrouillée qui va vous donner un prérequis à accomplir pour pouvoir activer cette carte et ainsi la retourner et bénéficier de son effet. Alors les effets sont tous différents en fonction des personnages et tous différents en fonction des factions. Généralement, le commandant vous donne un pouvoir que vous allez utiliser plusieurs fois dans la partie, et souvent le héros en fait va vous conférer un pouvoir qui est utilisable, qui est à utilisation unique. Il vous faudra ce qu'on appelle purger la carte en fait. Quand vous purgerez une carte, vous accomplirez son effet et ensuite vous la remettrez dans la boîte de jeu. Elle ne sera plus utilisable jusqu'à la fin de la partie. Donc là-dessus, on a encore un côté de personnalisation de faction qui est très fort et qui amène un renouveau, à mon sens, très intéressant. L'une des nouvelles règles de cette extension est que plusieurs effets de jeu, des cartes tactiques, enfin des cartes actions ou bien des pouvoirs de faction, etc., vont vous permettre de capturer des unités adverses. Alors quand vous allez capturer une unité adverse, vous allez en fait récupérer la figurine et la placer sur le plateau de votre faction. Vous pourrez ensuite, soit avec des effets de jeu liés à votre faction, les convertir, c'est-à-dire les remettre dans la réserve de l'autre joueur en échange d'un bonus, etc. Vous pourrez également vous en servir de monnaie d'échange pour des transactions, donc en plus des biens commerciaux, des billets à ordre, et vous allez pouvoir donc faire du troc avec. La seule exception, entre guillemets, c'est pour les chasseurs et l'infanterie. Quand vous capturerez de l'infanterie ou des chasseurs adverses, vous ne prenez pas ces figurines, vous allez prendre un jeton, en fait, les petits jetons carton, petits tokens à la place. Vous allez rendre pour la réserve de l'autre joueur son infanterie ou son chasseur capturé, et donc il faudra qu'il les refabrique, et vous allez vous garder des petits pions et ils vous serviront à rien, c'est-à-dire que comme ils sont plus affectés à un joueur en particulier, vous pourrez plus vous les utiliser dans le cadre de transactions commerciales avec d'autres joueurs, mais vous pourrez en fait les échanger via un pouvoir ou un effet d'une carte, etc., contre un bonus quand ça vous proposera de échanger ou de restituer des unités capturées en échange de tel bonus. Les planètes légendaires, je vous en parlais tout à l'heure, quand vous allez récupérer la carte d'une planète légendaire, quand vous en prenez le contrôle, vous allez également récupérer là une deuxième petite carte liée à cette planète. Alors il y a quatre planètes légendaires, et ces planètes, donc comme je vous disais, vont vous conférer en fait un nouveau un bonus supplémentaire. Alors il est lié à la planète. Tout à l'heure je vous ai dit aléatoire, c'est parce qu'en fait je pensais à un autre élément de jeu, mais vous allez récupérer cette carte qui va vous donner un bonus. Par exemple, pour la planète l'ébène, vous pouvez puiser cette carte à la fin de votre tour pour placer jusqu'à deux infanteries de vos renforts sur n'importe quelle planète que vous contrôlez. Donc c'est des pouvoirs gratuits déjà, et en plus qui sont assez puissants. Bon, bien sûr, il y aura de l'enjeu et de la bataille pour aller prendre le contrôle de ces planètes légendaires. L'un des gros points de cette extension, c'est que Twilight Imperium acquiert son statut de 4X. En effet, l'exploration était un peu mise de côté dans la version de base. Ici, le problème est résolu, puisque désormais, lorsque vous prendrez le contrôle d'une planète culturelle, dangereuse ou technologique, donc pour rappel, ce sont les planètes qui ont un symbole à côté de leur nom. Ici, par exemple, le symbole bleu, c'est une planète culturelle. Celle-ci est une planète dangereuse. Et quand vous allez prendre donc le contrôle pour la première fois d'une planète, alors enfin, c'est la première fois que cette planète est contrôlée, donc la première fois qu'on récupère la carte, qu'un joueur récupère la carte de la planète, il va piocher, en fait, en fonction de la nature de cette planète, il va piocher dans le paquet des cartes exploration. Alors, ces cartes exploration, elles sont en gros, je ne vais pas toutes les détailler, mais elles sont en gros de trois types. Vous allez soit avoir un avantage immédiat, par exemple ici je pioche la carte sous-traitant, vous pouvez produire une unité dans ce système, vous pouvez défoncer de l'influence comme s'il s'agissait de ressources pour produire cette unité.
Vous avez également des attachements. Alors, les attachements, ce sera marqué, il y a marqué attachement et ça vous indique ce que c'est. Et vous voyez ici, on a un bonus de plus 2 en influence. Eh bien, vous allez le placer sous la carte de la planète. Et cette planète, par exemple, qui produisait déjà 5 en influence, va produire 7 désormais, puisque vous allez ajouter son bonus. Si jamais un autre joueur vient à vous piquer cette planète, il récupérera la carte de la planète et également l'attachement qu'il pourra y avoir. En revanche, il ne repiochera pas une carte exploration, puisque la planète a déjà été explorée. Le troisième type de carte exploration que vous pouvez avoir, ce sont les morceaux de reliques. Alors, vous avez des reliques culturelles, des reliques dangereuses, des reliques technologiques. Et quand vous avez trois reliques, en fait, de même type, pour une action, vous pouvez les défausser. Alors, c'est pas les défausser, c'est les purger, ça veut dire qu'on les retire du jeu. Et vous allez pouvoir piocher dans le paquet des cartes reliques. Il y a, je crois, 10 cartes reliques. Et ces reliques sont des cartes que vous avez placées devant vous, dans votre surface de jeu, et qui vont vous conférer un avantage assez important. Par exemple, le sceptre d'Elmelpar. Lorsque vous devriez dépenser un pion de votre réserve stratégique, vous pouvez épuiser cette carte. Donc là, épuiser, c'est on la tape, en fait, hein, c'est comme les planètes. Pour dépenser un pion de vos renforts à la place, ou alors une action, ici, choisissez une planète non natale, non légendaire, etc. Vous faites un bombardement dessus, ensuite vous placez le pion planète détruite. Alors le pion planète détruite, c'est un des nouveaux tokens carton, parce que bien évidemment, on a un gros paquet de fiches avec plein de nouveaux tokens. Ça veut dire que vous détruisez carrément, définitivement, cette planète. Voilà, donc les reliques, elles sont très puissantes. Mais il vous faudra obtenir trois éléments de reliques d'un même type pour pouvoir en acquérir une. Voilà, ce sont les gros changements, les gros apports en fait de cette extension. Le dernier apport, c'est la présence de nouvelles factions, donc de factions supplémentaires. Donc on va retrouver les Titans de Hull, une faction qui s'appelle le Nomade, une faction qui s'appelle la Nuée Argentée, l'Alliance Nahaz-Roka, donc c'est des chats géants avec des espèces de petites bestioles dessus, la Cabale de Vuilreitz, les sorciers géniques Mahak, j'essaye de lire à l'envers, alors c'est pas évident, et les Empyréens. Et bien évidemment, ces factions vont tirer parti au mieux des nouvelles règles pour ce qui concerne la capture, les nouveaux trous verts ou routes spatiales ou les nouvelles planètes légendaires. Un autre petit élément, j'ai pas présenté ce paquet de cartes, en fait, on va placer lors de la mise en place des jetons frontières sur toutes les tuiles en fait où il n'y a pas de planète, y compris les tuiles anomalies. Lorsque vous arriverez dans une de ces tuiles, lorsque vous irez dans une de ces tuiles, eh bien, vous piocherez, en fait, vous défausserez le jeton frontière. C'est un petit peu comme les cartes exploration, mais pour les systèmes qui n'ont pas de planète, et vous piocherez l'une de ces cartes. Et généralement, vous avez soit des morceaux de reliques génériques, donc que vous pouvez combiner avec d'autres types de morceaux de reliques pour obtenir une relique, soit, en fait, des avantages immédiats, soit des cartes que vous allez placer dans votre surface de jeu et qui vous permettront de vous donner une action en fait particulière liée à cette carte. En revanche, comme pour les cartes exploration, ces cartes frontières, elles sont pour vous, elles ne se baladent pas avec des systèmes. C'est seulement quand il y a des cartes exploration avec un attachement à une planète, donc de cartes de ces trois types, qu'elles restent collées à la carte et qu'elles passent à un autre joueur. Il y a encore plein d'autres petits jetons en carton, mais qui sont liés à des effets spécifiques, notamment des factions ou des cartes de jeu, donc je ne vais pas les détailler parce que ça ne vous parlerait pas, on en parlera un peu plus en détail quand on verra le détail des nouvelles factions. Mais voilà le contenu de cette extension. Alors, est-ce qu'il est intéressant de faire l'investissement dans cette extension? Si le prix ne vous pose pas un problème, n'hésitez pas un instant, foncez. L'extension enrichit le jeu, il lui apporte une grande profondeur. Les nouvelles factions ont l'air très intéressantes. Le fait d'avoir 8 nouvelles technologies pour chacune des autres factions, les agents
et l'accès aux mechas ne rendent absolument pas les factions de la boîte de base obsolètes ou moins intéressantes à jouer. Les nouveaux systèmes sont franchement très bons, surtout le fait qu'on ait beaucoup de tuiles système avec deux ou trois planètes. Les routes spatiales permettent vraiment de fluidifier le jeu et dans les développements, en fait, dans l'accès aux différents territoires, dans les configurations 5-7 joueurs. Et alors après, tout ce qui est nouveaux objectifs, nouvelles cartes actions, etc. Ça enrichit le jeu, mais c'est surtout cet apport des cartes exploration qui va vraiment et enrichir en profondeur le jeu pour les avantages, les upgrades de planètes, etc. Et en même temps accélérer aussi son déroulement, puisque du coup vous aurez accès à plus de ressources, vous aurez plus de bonus, plus de façons de gagner des points de victoire, et du coup les parties seront un petit peu plus rapides, sauf si vous passez, si vous optez pour la piste de victoire avec son côté 14 points de victoire. Mais sinon, les parties devraient être un petit peu plus rapides. Donc voilà, surtout cette phase d'exploration, ces cartes d'exploration, tous ces nouveaux systèmes, les planètes légendaires, les reliques, les agents, c'est vraiment des apports qui ont l'air minimes comme ça quand on les présente, mais qui apportent énormément de profondeur au jeu et qui le rendent beaucoup plus intéressant encore, sans l'alourdir. Et sans le compliquer pour autant, en fait. Puisque, comme vous avez vu, c'est même pas vraiment des règles qui sont rajoutées. Ce sont des petits éléments de jeu qui sont très intuitifs. Voilà, j'espère que cette présentation de Twilight Imperium, la prophétie des rois, vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura surtout aidé à vous décider à savoir si vous devez investir ou non dans cette expansion. Faites-le! On se retrouvera pour une prochaine vidéo où on détaillera un peu plus chacune des nouvelles factions avec leurs avantages, leurs pouvoirs, leurs cartes technologies et leur système natal. Je vous dis à bientôt, merci d'avoir suivi la vidéo, un petit like, un petit clic sur l'abonnement, ça fait toujours plaisir. À plus!